C'est l'automne, les jours raccourcissent, il fait plus froid et c'est aussi les moments où on adore se poser dans le canapé avec un plaid et une bonne boisson chaude. Je trouve d'ailleurs que cette saison est aussi idéale pour s'offrir un moment d'introspection, faire le bilan des mois passés et préparer l'année qui arrive. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être chouette de partager ce moment de réflexion ensemble. Chaque semaine, je te partagerai une question sur laquelle on prendra 5 minutes ensemble pour écrire ce qui nous vient intuitivement. Et je te partagerai en fin de vidéo ce qui ressort pour ma part en tout cas. Et on commence tout de suite avec la question de la semaine, donc n'hésite pas à faire pause maintenant pour aller chercher de quoi écrire. La question toute simple avec laquelle j'avais envie de commencer cette série, c'est comment tu te sens en cette fin d'année? Timer prêt, c'est parti pour 5 minutes. À tout de suite.
Du coup, verdict de mon côté, je me permets de te lire du coup ce que j'ai écrit dans mon carnet. Alors, comment je me sens en cette fin d'année ? Bah, à vrai dire, je me sens bien, même très bien, parce que je suis hyper fière de moi. Tu l'as sans doute remarqué, mais il y a un peu plus de 6 mois, je me suis mise de manière plus sérieuse, c'est-à-dire en fait de manière plus régulière, à créer des vidéos autour de sujets qui me parlent, des sujets qui m'animent. Et je suis super contente d'avoir sauté le pas de cette exploration. Parce que, on va pas se mentir, en vrai, ça a été un énorme challenge. Pour d'autres personnes, sans doute, qui essayent de créer des choses, que ce soit en vidéo, en musique, en écriture, en dessin, un projet professionnel, peu importe ce que c'est, je trouve que c'est vraiment pas évident ce moment où tu dois laisser émerger des choses imparfaites, des choses qui ne correspondent pas encore à 100% et tu le sais. Mais tu oses du coup quand même publier cette vidéo, pour moi en l'occurrence, ou laisser exister ce truc qui est imparfait. Et bah bref, moi cette période elle a été hyper challengeante, mais pour le coup il fallait qu'elle existe parce que ça fait partie de l'apprentissage. Et aujourd'hui je peux dire que j'ai trouvé un style que j'aime bien, je suis super contente de ça. Et je sais évidemment que ce style va encore continuer d'évoluer, les vidéos vont évoluer. Mais voilà, je suis contente et je suis hyper fière d'avoir osé aller jusqu'ici. Voilà. Ça, bah, c'est de mon côté. C'est ce que j'ai écrit en ces 5 brèves petites minutes. Et je trouve que ça fait du bien, ce petit moment d'introspection. Si t'as pris le temps de le faire toi aussi, n'hésite pas à partager en commentaire. Moi, ça me fera du bien. Les autres personnes qui auront fait l'exercice, je suis sûre que ça leur fera énormément de bien de lire d'autres expériences que la leur et de sans doute se reconnaître aussi. Pour être honnête, j'ai très envie d'explorer ce format de café journaling. Mais en parallèle des vidéos du dimanche, parce que pour moi, les vidéos du dimanche, ça représente un peu notre moment d'inspiration mutuelle. Et du coup, je me suis dit que pour ces vidéos-là, qui sont un peu plus introspectives et réflexives, j'allais caler le créneau du jeudi 18h pendant un mois pour tester le format, pour avoir votre retour, pour voir si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me le dire, parce que si je me rends compte que ça vous plaît et que ça me plaît de le faire aussi, bah je continuerai au-delà du mois. Et donc pour ceux qui suivent la chaîne, ça nous fera 2 rendez-vous hebdomadaires, celui-ci du coup du jeudi 18h. Et celui du dimanche 18h pour les vidéos un peu plus inspiration mutuelle. Voilà, j'ai trop hâte, je me réjouis trop et je vous fais de gros bisous d'ici là. Passez une super semaine.